Pour Tonneins, le classement en réseau d'éducation prioritaire permet de créer trois classes supplémentaires, deux en maternelle et une en primaire, avec pour consigne pas plus de 25 élèves au maximum par classe. L'accent sur l'éducation est rendu nécessaire dans une ville qui se paupérise. Il y avait, si vous voulez, des indicateurs éducation nationale sur les taux de boursiers, les catégories socio-professionnelles défavorisées, le retard à l'entrée en sixième, et aussi pour certaines villes, certains territoires du Lot-et-Garonne, le classement aussi en politique de la ville. Trois postes d'enseignants sont donc créés avec un demi-poste de coordinateur de réseau d'éducation prioritaire. Les efforts de moyens sont également complétés par la ville. La municipalité doit engager des moyens complémentaires, notamment on doit mettre des ATSEM complémentaires dans les classes, bien entendu. On doit refaire des dortoirs, on doit refaire des salles de classe. Donc effectivement, aujourd'hui, nous y mettons vraiment des moyens importants aussi au service de notre population. À noter que quatre autres communes du département bénéficient de ce classement en réseau d'éducation prioritaire.